Non, ce n'est pas une raison de penser comme ça. Oui, je sais, mais bon, c'est comme si il y a quelque chose, quoi. Parce que quand il est là, sa présence égale à son absence. Le gars, il vient toujours en retard. Tu vois, il y a les petits trucs qu'il faisait qu'il ne fait plus. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, comment tu feras pour savoir qu'il te trompe? En fait, je pense faire... Tu t'es supposé venir à 22h. Il est 22h05. Les 5 minutes, là, ça se passe comment, en fait? Ouais, c'est ce que j'avais dit encore. Parce qu'on est 5 minutes en retard que maintenant, il y a un problème. Ah donc, toi, tu pensais que quand tu allais venir, j'allais t'accueillir comme ça. Ça ne marche pas comme ça, jamais. Bon, je vais demander la route pour vous laisser discuter en paix. Ok, ma chérie. On s'appelle après. Pas de problème. Merde. On peut peut-être retourner à la maison, si. J'ai besoin de toi, Marie. Ça brûle, je ne sais pas quoi faire. Aïe, mais qu'est-ce qui brûle? En fait, j'ai eu des rapports avec mon gars. Je ne sais pas quel genre de préservatif il a utilisé. Ça me brûle. Essaye d'aller à l'hôpital. Là, ils vont t'examiner, tu vois. Ça brûle, je ne sais pas quoi faire. Attends. Et puis qu'est-ce qui se passe et puis tu marches comme ça, y'a quoi? Ouais, je serais vraiment ici, non. Je suis à l'hôpital là, ils ont dit que ça n'a pas cool. Comment tu avais papa mal là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pendant que je faisais là. Y'a quoi? La vaisselle au travail, non. Tu sais comment ça se passe?